chers étudiants, chers diplômés, nous sommes tous ici présents pour saluer, féliciter, je dirais même encourager votre succès. En intégrant notre école de la CCI, Eclia School of Business, vous avez fait le choix de l'exigence et de la réussite au service d'un projet de votre projet. Vous avez toutes et tous été courageux. Reprendre des études pour certains, parfois après des parcours un peu tumultueux, un peu compliqués. Poursuivre des études pour d'autres. Vous engager dans une vie d'étudiant et à la fois aussi professionnelle, alors que certains ont déjà une vie familiale bien marquée. Je pense à d'heureux papas dans la salle, entre autres. Donc, lorsqu'on prend des études, c'est des événements qui sont extrêmement, extrêmement forts. Voilà, ce courage, c'est aussi votre courage et le courage d'avoir réussi vos études, de les poursuivre maintenant pour beaucoup, de travailler pour beaucoup d'autres, quel que soit le domaine qui vous a été, le domaine d'études que vous avez suivi. C'est souvent dans le temps et la persévérance que l'on voit le vrai courage. Mais il ne faut pas non plus négliger le petit courage. Alors, ce que j'appelle le petit courage, ce sont des petits riens du quotidien qui, mis bout à bout, peuvent former un tout conséquent. Le courage du quotidien, c'est par exemple parfois mettre son réveil 5 minutes plus tôt pour être sûr d'arriver à l'heure. C'est prendre une demi-heure de plus à la fin de la journée pour boucler un dossier, même si c'est une heure sup pour laquelle on ne sera pas payé. C'est consacrer du temps à un ami qui n'a pas le moral alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est retourner se caler dans son canapé. En fait, ce petit courage, c'est quelque chose qui permet de mettre de l'huile dans les rouages au quotidien. On pourrait vivre sans lui, mais ce serait moins bien, ni pour nous, ni pour les autres. Merci surtout à tous les formateurs qui nous ont soutenus toute l'année, qui ont été vraiment présents pour nous et toujours là pour nous soutenir. Merci aussi à ma mère qui m'a soutenue toute l'année, parce que c'est quand même important. Et aussi à mes responsables de stand qui m'ont accompagnée aussi tout au long de l'année, avec qui j'ai énormément appris et pu évoluer.